Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Diane, opticienne diplômée. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'une subtilité en magasin entre les opticiens diplômés et les vendeurs. Je me suis effectivement aperçue que beaucoup de personnes, et c'est normal, ne savaient pas que dans un magasin, par la législation, vous pouviez avoir des opticiens diplômés qui portent ce petit badge. C'est une obligation légale, et des vendeurs. Un opticien diplômé a fait des études en BTS d'opticien lunetier, il va pouvoir mieux vous conseiller. Pourquoi? Je fais un parallèle avec la pharmacie, c'est comme le pharmacien et le préparateur en pharmacie. Le pharmacien a étudié davantage de choses pour pouvoir vous conseiller. Donc, moi, en tant qu'opticienne diplômée, j'ai étudié le visagisme, donc quelles lunettes je vais vous conseiller par rapport à la forme de votre visage, votre carnation. J'ai appris comment fonctionne l'œil, à vous lire aussi une ordonnance pour pouvoir mieux vous l'expliquer et mieux vous conseiller. J'ai appris aussi la forme des montures, les différents matériaux. On a fait de l'atelier, ça permet de savoir si le verre par exemple est bombé, si la monture de départ peut être travaillée pour vous conseiller éventuellement une autre monture si ça ne peut ne pas convenir quand on va mettre les verres dans votre monture. Pareil, certaines corrections ont des verres bombés, des verres qui ressemblent un petit peu à une loupe ou au contraire des verres de myope vont être très plats et épais au bord. Donc on va vous conseiller des montures plus petites ou dans un autre matériau, contrairement à des vendeurs qui ne l'ont jamais étudié. Une différence vraiment importante aussi, c'est que nous avons appris, nous nous sommes entraînés à prendre des mesures. Le vendeur va savoir recopier une ordonnance et la rentrer dans l'ordinateur, mais la prise de mesure va déterminer votre confort. Donc l'opticien, lui, va pouvoir avoir des mesures plus précises pour votre confort. À l'atelier aussi, il y a aussi des monteurs-vendeurs, par contre, qui ont été entraînés à mettre les verres dans la monture, donc ils le font très bien. Donc regardez si votre opticien est opticien diplômé, ça ne sera pas noté, par contre il peut avoir aussi des formations complémentaires comme moi, c'est-à-dire avoir une maîtrise d'optométrie, donc en faculté j'ai appris plus sur les pathologies, les lentilles, la contactologie, la vision binoculaire, comment travaillent les deux yeux ensemble, le développement de l'enfant, pour mieux vous conseiller aussi. Ce n'est pas une obligation, mais nous continuons à nous former. Donc j'espère que vous serez bien servi en magasin pour surtout un meilleur confort. Des lunettes bien ajustées seront bien portées. Et je vous dis à très bientôt. Si ça vous a été utile de découvrir cette subtilité, merci de liker, commenter, partager et abonnez-vous sur le petit carré rouge et n'oubliez pas la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Merci, portez-vous bien, prenez soin de vous, à bientôt.